À l'évidence, le sucre n'est pas vraiment l'allié idéal pour une remise en forme. Et pourtant un aliment sucré réussit à trouver grâce aux yeux des nutritionnistes. Mais lequel, et quels sont ses bienfaits? Forcément, lorsqu'on souhaite se remettre en forme, ou perdre du poids ou les deux, le sucre semble rapidement à bannir. Dans l'esprit de chacun, il est l'heure de se priver de tout aliment sucré, afin de démarrer une nouvelle vie plus saine. Mais voilà qu'un aliment sucré trouve néanmoins grâce aux yeux des nutritionnistes, qui le recommandent même, bien qu'avec modération. En effet, cet aliment est vanté pour ses nombreux bienfaits, parmi lesquels le principal celui d'améliorer la santé des cheveux et l'humeur. Mais quel est donc cet aliment sucré si bénéfique que vous risquez de tout et tous vous octroyer cet été? Le heureux élu qui passe entre les mailles du filet des nutritionnistes s'appelle en réalité le cacao pur, et le chocolat noir. Et oui, une nouvelle qui risque de plaire à tous les becs sucrés qui se sont lancés dans une remise en forme cet été. Le cacao pur a ainsi trouvé la faveur des experts, nous rappelle le site Vogue, et même ceux qui sont spécialisés en longévité. En poudre, il pourrait ainsi devenir une alternative à de nombreux édulcorants artificiels. Les fans de chocolat, et ils sont nombreux, seront donc ravis de lire que l'homme s'est même prononcé récemment contre les édulcorants artificiels tels que la saccharine et l'aspartame, ou encore contre la stevia, mais pas par le cacao en poudre. Remplacer les sucres rapides par des édulcorants non sucrés n'aidez pas à contrôler le poids à long terme. Les gens devraient envisager d'autres moyens de réduire leur consommation de sucre rapide, comme la consommation d'aliments contenant des sucres naturels, tels que les fruits, ou d'aliments et de boissons non sucrées, a ainsi fait savoir le directeur du département nutrition et sécurité sanitaire des aliments de l'homme, Francesco Branca. Même Robert Lewandowski a reconnu que dans son régime pour lequel il peut remercier sa célèbre épouse, Anna Lewandowska, on trouve tous les jours un morceau de carré de chocolat au cacao pur. Quels sont les bienfaits de cet aliment sucré si parfait? Quand le manger, lequel choisir mais surtout quels sont réellement ses bienfaits? Déjà, il va falloir préférer un cacao d'une pureté située entre 85 et 100%. Il faut choisir des chocolats avec un pourcentage élevé de cacao et sans sucre, explique ainsi Salena Assin, fondatrice de la clinique Natura et Nutrition. L'idéal semble déjà de ne pas en abuser. En prendre 10 g par jour ou à petite dose pour sucrer le café, afin de remplacer le sucre, au petit déjeuner serait l'idéal, selon le psychonutritionniste Itziar Digon. Quant à ses bienfaits, le cacao étant une source notable de magnésium, il joue sur l'humeur. Un manque de magnésium peut conduire à des états dépressifs. Le cacao favorise aussi la concentration, possède des propriétés anti-inflammatoires, et peut même être favorable à une bonne santé cardiovasculaire. Grâce à sa forte teneur en zinc, le chocolat noir a un impact sur la santé hormonale et la repousse des cheveux. Bien que la liste des bienfaits de cet aliment sucré est longue, précisons néanmoins une nouvelle fois qu'il n'est pas bon d'en abuser. Le but étant d'en consommer à petite dose, autour de 10 g par jour, et l'utiliser comme remplaçant du sucre, qui lui, est loin de trouver grâce aux yeux des experts. Allez, comme Lily Rose Depp aime se prendre un ice de coffee sur la route à Los Angeles, à votre cacao.